Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Safet Diallo. D'accord, tu as pu composer aujourd'hui? Oui, j'ai pu. Et comment ça s'est passé? Mais j'ai fait, mais ce n'a pas été facile avec. Tu as pu t'en sortir. Pourquoi tu as décidé de venir composer? Parce que c'est le souhait de mon père. Il a toujours voulu que j'étudie. D'accord. Et comment ça s'est passé en classe? Explique-nous. J'ai fait mon mieux. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait. D'accord. Et je vais te demander quel est ton sentiment aujourd'hui. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens blessée. Je souffre à l'intérieur. Je n'ai plus de mère ni de père. Waouh. Une fille exemplaire. Une fille qui écoute les paroles de ses parents. Vraiment, les mots me manquent. Aujourd'hui, cette fille que vous avez vue ici, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère. Mais cela ne l'a pas empêché de faire l'examen. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle écoutait le conseil de ses parents. Son père a dit, faire tout possible d'étudier. Faire tout possible de faire l'examen. Si nos sœurs étaient comme ça, ça allait être incroyable. Mais hélas, cette fille nous a donné beaucoup de leçons. Cette fille nous a enseigné. Toute personne qui n'arrive pas à regarder cette vidéo, ma soeur, mon frère, ça te manque beaucoup, je t'assure. Cette fille m'a inspiré. Cette fille m'a donné le goût de la vie. Cette fille m'a encouragé dans mes projets de plus. Parce qu'avoir des parents, c'est la chose la plus importante dans ce bas monde. Mais quand tes parents encore sont morts, c'est la volonté de Dieu, on ne peut rien faire. Vraiment, les mots me manquent. Vraiment, la fille, j'ai admiré la fille. Aujourd'hui, c'est vrai, elle est une petite fille. Mais tout ce que je te souhaite dans la vie, que du bonheur et du succès. N'écoute personne, ne regarde personne. Écoute les conseils de ce que ton père t'avait dit. Continue tes études, fais tout possible de réussir dans la vie. Avoir des parents, c'est le commencement d'une vie. De les perdre, c'est une autre vie encore. Ma sœur, continue comme ça. Dieu n'oublie jamais ses créateurs. Dieu n'oublie jamais ses créateurs. Peut-être tu vas te demander pourquoi moi. Mais hélas, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Il faut accepter. Je te remercie d'avoir le courage de venir finir l'examen. Que le bon Dieu accorde tes parents son paradis. Que leur âme repose en paix.